propose qu'on retourne à ce qui faisait les débuts finalement du podcast, un des premiers jeux, le même premier jeu que j'ai fait, je crois que c'est le de l'épisode 1 il me semble, qui était présent pour l'épisode 1 parmi vous, il y avait... Moi ? Il y avait toi Mika, ouais déjà c'est bien effectivement. Je devais y être je pense. Et tu étais aussi Raph, et avec vous il y avait Alexandre qui n'est pas là, du coup je sais pas s'il viendra ou pas. Et vous aviez fait le super jeu premier mot dernier mot, est-ce que vous vous en souvenez? Ah oui. Oh là, c'était pas à base de moines Shaolin dans un temple, etc. Si, c'est ça, exactement ça. Donc pour ceux qui n'étaient pas là pour le premier épisode et si vous l'avez pas écouté, premier mot dernier mot, c'est un jeu d'improvisation de théâtre. En gros, ça va par binôme. C'est deux personnes qui se parlent et qui inventent une histoire. Sauf que à chaque fois que le premier a terminé sa phrase, le second doit commencer sa phrase avec le dernier mot de la phrase précédente, en fait, hein, tout simplement. Ok. Ça va, vous suivez? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes chaud ou pas du coup, ou est-ce que vous vous êtes refroidi directement par ce jeu? Oui. Bah, Starfoula, ça je passe. Sens, hein. Je sens le vent glacial. Non, t'inquiète, on peut tester. Oh, mais non, c'est l'hiver après tout. T'inquiète pas. Au montage, ça s'entendra pas. Quand oui. Tu mettras tous ah, bah les non, mais que oh... tu les doubleras. En fait, tu remets les oui du début et puis genre tu les remets ici, ouais. On s'en fout. Tu rajoutes des faux applaudissements. Je suis honnête dans mes montages. Hein. Est-ce qu'il y a deux volontaires parmi vous pour se lancer ou pas? Alors, moi, je suis volontaire uniquement si je joue avec Marc. C'est tout. Ah, ok. Ok. Okay. Il y a du sectarisme. Oui. Non mais il m'a lancé un défi du coup donc on va commencer. C'est commencé. C'est l'heure. Vous avez juste à nous choisir une thématique. Si l'un d'entre vous veut en donner une, je sais pas si vous avez une idée là comme ça. Ouais, moi j'en ai une là. Vas-y. Parce que c'est mon fond d'écran qui me fait penser. Ouais. Le saut en hauteur. Le saut en hauteur. Ok, d'accord. C'est quoi ton fond d'écran? C'est un fond d'écran avec une barre de son en hauteur et il y a un topiqueur qui passe dessous. Il y a marqué si tu crois, tu vas réussir, sauf si tu es un topiqueur. Ok. Voilà. C'est profond. C'est triste pour les topiqueurs. C'est profond comme c'est un topiqueur. C'est triste pour les topiqueurs. Ouais. Ce fond d'écran est extrêmement bien. Les topiqueurs, ils sont super. Il fait beaucoup rire. Mais oui. Mais du coup, Maxime, tu veux commencer ou je commence? Non, vas-y, commence. Hein, je commence. Ok, t'es prêt? Non. Allez. Donc, bah, ça, je vais commencer par un très simple truc. Hein. Bonjour. Je suis. Mais non, tu dois. Ah oui, bonjour, c'est pas un cadavre exquis, Maxime. Alors, tu as un dialogue. Tu dois répondre par le dernier mot que j'ai donné. Donc là, ah j'ai d'accord. Bonjour, donc en fait, c'est question-réponse. Non, parce que je sais pas. Si on... Ouais, c'est question-réponse. C'est un dialogue en fait. D'accord. Eh ben bonjour. Comment tu vas? Tu vas bien toi visiblement aujourd'hui. Moi ça va plutôt pas mal. Mais on est là ensemble pour faire une petite animation de saut à l'élastique. T'es partant? Partant pour le saut élastique, ouais, grave. Franchement, ça va être trop bien. On va se marrer. Je me chie pas du tout dessus. J'ai pas du tout les jambes qui flageolent. Tout va bien. Franchement, tout va très 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 bien. Très bien. Bah super. Eh ben, on va s'y mettre. Je te propose de prendre ton petit harnais que voici justement. Et puis voilà. Une fois que tu l'as mis, tu viens me rejoindre au bord du précipice. D'accord? D'accord. Y a pas de souci. Voilà, je vais pas du tout essayer de m'enfuir avec cette voiture ou de courir le plus loin possible de ce gouffre infernal qui me donne envie de me tirer une balle, hein, parce que voilà, c'est quand même beaucoup plus agréable que finalement sauter dans le vide comme ça à pieds joints, tenu par une espèce de minuscule petite corde, voilà, hein, qui si elle est juste un petit peu trop longue, on s'écrase, voilà, tel un crachat sur le bord du trottoir avec un. Voilà, donc non, il y a pas de problème. Je suis partant, vraiment partant, 100%. 100%, eh ben, c'est fantastique. Du coup, je vais demander à mon adjoint de prendre le véhicule et de l'emmener très très loin de toi. Comme ça, tu n'auras pas d'échappatoire. Tu seras obligé de venir faire un saut en parachute. Lapsus révélateur. En fait, c'est un saut à l'élastique. Mais une fois que tu arrives en bas, ça se casse. Et du coup, c'est remplacé par un parachute. Est-ce que ça te va quand même ou pas? Pas de soucis. Alors est-ce que c'est possible que ce soit plutôt un deltaplane? Je préfère les deltaplanes. Ou genre un wingsuit. Tu vois, genre un peu en mode Mission Impossible, Tom Cruise, tout ça. Je me sens très bien dans sa peau. Pas juste parce que je suis aussi petit que lui, mais juste pour son courage, sa détermination et son espèce de folie. Alors non pas que j'étais du coup dans une église de la Scientologie, hein, mais ils ont l'air très sympathiques, hein, ça l'a dit. N'est-ce pas, hein. D'ailleurs, on leur fait un coucou à tous nos auditeurs scientologues. Moi, je suis un mage niveau 38, il n'y a pas de souci. Voilà.
Donc, on peut y aller. Hein. Moi, je m'arnache, je me prépare. Je me prépare également. Du coup, ça y est, on est prêt. Je t'amène au bord du précipice. En bas, tu vois, il y a des tout petits rochers pointus. Donc, j'ai bien effectivement remplacé ton parachute par un wingsuit. Donc j'espère que tu auras assez de vent quand même pour avoir la reprise, parce que le but du parachute c'était quand même de pouvoir terminer ta chute. Le problème du wingsuit c'est que du coup ça arrête pas la chute, quoi. C'est-à-dire que mais bon, après t'as choisi donc ce que je te propose c'est que tu t'avances au bord du précipice. Voilà, super comme ça, c'est fantastique. Et à 3, je te pousse 1 2 et 3. Je pense qu'on peut s'arrêter là parce que ça et on va s'arrêter là. À l'aide. On attendait la chute. Mais la chute, elle était là. Bah, la chute est arrivée, c'est une véritable chute du coup. Exactement, plus que métaphoriste, c'est une chute tout court. Merci Maxime, merci pour tes digressions sur la scientologie, c'était fantastique. Et on peut saluer du coup Romain. Comment vas-tu Romain? Tu viens d'arriver parmi nous. Salut, ça va? Salut. Salut. Mais, Romain. Ça va et toi? Ça va très bien. Eh ben écoute, on vient de terminer un premier essai de premier mot, dernier mot avec Maxime. Le principe, je leur explique, c'est super simple, c'est un dialogue à deux et chaque joueur doit toujours réutiliser le dernier mot de l'autre joueur dans sa première phrase. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se lancer dans l'aventure ou pas du coup, après ce premier essai fantastique avec ce très cher Maxime? Moi je veux bien. Ouais, Raph. Qui d'autre avec lui? Moi je veux bien le faire avec Raph. Allez, bah Mika et Raph, fantastique. Tape-moi 5, mon pote. Et je vois que Ben, tu bouges. Est-ce que t'as un sujet à donner à nos deux amis? Pardon? Est-ce que t'as un sujet à leur donner, Ben? Eh ben voilà, le pardon. Ou est-ce que tu fais la vaisselle? Le pardon, bah ouais, voilà, tiens. Allez, voilà. Eh ben, le pardon, c'est parti. Tu commences ou je commence? Commence. Super, merci. Ouais. Ok. Bonjour, mon père. Mon père... J'ai péché d'orgueil, de vanité, et surtout, j'ai péché de chasteté. Chasteté, ça me rappelle mes années de séminaire, ça. C'était les premières années, quand même. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça remonte à longtemps. Hein. Enfin, vous êtes pas là pour m'écouter, mais j'aimerais quand même vous parler. Parce que c'est vrai qu'à cette époque, il y avait la petite Marie. Oh là là, et puis le bon Dieu, hein. Il avait donné des atouts à la petite Marie, d'ailleurs, hein, pas que son prénom, hein, attention, hein, là, il y en avait deux autres. Mais, fou, je peux vous dire que, j'ai vraiment failli arrêter mon serment parce que, bah, il y avait de quoi tâter quand même. Ah, quand même. Oui. Ah, je m'attendais pas à ça en venant vous voir, mon père. Je ne peux pas vous cacher ma surprise. Cependant, si vous avez besoin d'une oreille attentive, je peux être là pour vous. Vous êtes quand même bien avisé de me le dire, mais à la base, c'est quand même mon travail de vous écouter, donc du coup, je vais le faire, et puis à la fin, si vous oubliez pas la petite piécette, ça serait bien pour le droit de l'église, comprenez, parce qu'on est un petit peu restrictions budgétaires, comprenez, tout ça. Les gens donnent moins, les gens ont moins, et j'imagine qu'à cause de ça, maintenant, je dois me farcir un petit peu plus d'horaire dans le KGB, là, mais ça va aller, dites-moi tout. Tout ce que vous me dites est affreux. sachez que je vous pardonnerai. Je vous pardonnerai mon père par là où vous avez fauté, peut-être même par là où j'ai fauté. Je dois quand même vous avouer que c'est vrai que la petite Marie avait quand même de petits atouts. Pas trop piqué des hannetons, hein, si je peux me permettre l'expression. Veuillez me pardonner, mon père. Enfin, oui, non, on est. Oui, c'est pas ça. Bonjour, mon père. De quoi parlions-nous déjà? Ben, déjà, vous êtes prêt à présenter, mais bon, vous m'avez dit que vous me demandez pardon, alors du coup, je vous dis que vous êtes libéré de tous vos péchés, mais je ne les connais absolument pas. Du coup, je ne vous connais pas, vous, mais par l'autorité qui m'est vraiment conférée par quelqu'un que je ne connais pas, et dont l'existence même est un petit peu aujourd'hui, suspectée, hein. Écoutez, on va faire comme ça. Donc du coup, moi, ce que je vous propose, c'est que je vous pardonne. Hein, derrière, vous me filez un petit bifton. Bifton. C'est parti. Vous voulez combien? Combien? Bah, ça dépend de la taille de ton porte-monnaie. Money for Nothing est un très très bon album. Il faut le savoir. C'est tout ce que je pourrais vous offrir, mon père, ma culture musicale et ce modeste billet de 15 € que je possède présentement, que je vous glissasse sous le petit sas du vauvent de votre parloir. Parloir ? C'est un difficile mot pour commencer une phrase.
Vous avez le droit de vous arrêter à un moment donné. Hein, vous si vous n'avez pas assez, vous pouvez toujours venir dans ma petite chambre, là, ma petite cellule, et puis on pourra faire mieux connaissance. Et puis vous comprendrez davantage pourquoi les gens me demandent pardon. Après, je pense qu'on peut aussi en rester là, quoi. Enfin, moi, je vous souhaite tout de même une bonne journée. Saluez Marie pour moi. Et vous me réciterez de Pater et de Noster après tout ça. Hein. Allez, bon après-midi, mon père. On s'arrête là. Ouais, hein. Bravo. Bravo, 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 bravo. Ah oui. Vous avez bien réussi le jeu, les gars. Il me semble qu'à un moment donné, Mika, tu t'es planté, mais c'est pas très très grave. Oui. Ce sera aux gens de nous dire s'ils l'ont vu ou pas. Parloir, c'est un peu compliqué quand même, Mika. Parloir, je suis désolé pour le parloir. En fait, j'aurais dû dire parloir, les loirs qui sont dans la guilde d'église, vous voulez dire. Ça, c'est parti trop loin. Mon Dieu, bah, c'est le cas de le dire, tiens. Oui. Alors, du coup, est-ce que après ce super exemple, il y en a qui ont envie de s'en faire un, hein, du coup, parmi ceux qui n'ont pas encore fait? Waouh, ça a l'air d'avoir du succès. Incroyable. J'ose pas. Moi non plus. Mais il faut oser. Je te rappelle quand même que j'ai lu des textes théâtraux avec la voix de Yoda au bout d'un moment. Toi et Nico, vous connaissez bien, vous voulez pas essayer d'en faire un ensemble? On peut essayer. Ça va finir en bonjour marchand, que voulez-vous? Un petit poisson, un poulet. Oui, bien sûr. Ah, si tu veux. Et du coup, Lila, t'as une idée de thème? Pas ouf, non. On pourrait partir sur les gastéropodes. Et bah, ce sera le thème, du coup, pas ouf. Du coup, c'est quoi le thème? Ouais, c'est quoi le thème? Lila a dit pas ouf, donc c'est, ouf, donc okay. C'est quelque chose de pas ouf. C'est pas ouf. Non, en vrai, j'ai pas beaucoup d'idées de thèmes. Je vous avoue. Okay, bah merci, c'est gentil. Bien, bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous, qu'est-ce que vous traficotez tout seul, comme ça, tout nu, sur la place du marché? Marché, j'ai marché depuis chez moi, et puis je me suis retrouvé ici, et j'ai remarqué que j'avais oublié mes vêtements. En fait, j'avais passé une journée qui était pas terrible, hein, autant dire que c'était pas ouf. Ah, pas ouf, ouais. Bah, est-ce que je peux l'améliorer? L'améliorer? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous aurez, je sais pas, quelque chose à me conseiller à faire dans ce village? À part la place du marché, qui a l'air bien déserte à l'heure actuelle. Actuellement, la place du marché, elle est assez déserte. Alors, sauf là-bas, il y a le petit vieux, tous les dimanches, il vient vendre ses cacahuètes. Je sais pas s'il tire de l'argent ou je sais pas ce qu'il fait. Mais vous pouvez en prendre, ça vous égayera un petit peu la journée. Les cacahuètes sont pas trop dégueux. Bon, elles sont pas ouf, mais ça passe. Passe-moi quelques-unes pour goûter si t'en as. Sinon, je vais aller voir le vieux, mais après, il me fait un peu peur. Hein. Peur comment? Parce que bon, il est un peu moche, il a des ongles longs et il pue, et il est courbé en deux, mais peur comment? Concrètement, en fait, je sais pas, je le sens pas trop, et il nous regarde bizarre depuis tout à l'heure. Peut-être que c'est parce que j'ai pas de vêtements, mais je suis pas sûr. sûrement, c'est parce que vous avez pas de vêtements, à mon avis, c'est un petit peu lié. Après, si vous voulez, je peux vous fournir genre un drap afin de couvrir vos parties intimes et de ne pas souiller le regard de ce pauvre vieux là-bas, si ça vous convient. Conviendrai-je? Oui, convenir, ça me convient. Très bien, monsieur. Je vais prendre ce drap. Combien vous dois-je? Quelques pièces. Pièces. Putain. C'est dur ton jeu, Marc. C'est dur, hein. Vous avez le droit de vous arrêter là si vous voulez, pas obligé d'avoir de chute. Hein. Prestement, je voudrais quelque chose comme 50 pièces. Et on ira les partager avec les petits. Pardon, j'ai rien dit. 50 pièces Disons oui. Oui, 50 pièces et je prends ce drap, même s'il est pas ouf. Hein. Il est pas ouf, c'est sûr, mais on peut s'en contenter quand on n'a rien d'autre, quoi. Quoi de mieux qu'un drap? Je crois. Est-ce qu'on serait en train de traiter là? Allez, ouais, c'est chaud. Ouais. Drap, pièce. Franchement, pièce, drap, vous en êtes bien sorti, je trouve, pour une première fois. Je trouve que le final avait quand même pas mal de panache. J'imagine bien les deux qui se retournent, tu sais, avec les deux mains comme ça sur le côté en mode quoi de mieux qu'un drap. Et là, il y a un petit générique avec. Générique des années 80. Quoi de mieux qu'un drap?
c'est dur d'improviser. Hein, dans ce, ah bah c'est un métier. Hein. Ouais, non, c'est pas facile. J'en suis navré, j'en suis navré. C'était cool quand même. Eh ben, il se trouve que il n'en reste plus qu'un dernier binôme, mais je veux pas non plus vous forcer. Ben et Lila, est-ce que vous êtes tenté ou pas? Lila est en mute. Moi, je suis moyen chaud de ces trucs d'impro, je vais pas te mentir. C'est... Ouais, je sais, Ben, je sais. Bon, bah, bien joué à vous, du coup, pour ceux qui ont participé, ceux qui ont donné des thèmes. Donc, en fait, tout le monde, c'est ça qui est incroyable. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi, je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne, parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi, je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt!